Bonjour, mesdames, mademoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Voilà encore, nous nous retrouvons, effectivement, pour une fois encore, parler de la politique chez nous. Nous sommes le 2 juin 2022, cher compatriote guinéen. Alors voilà, mon thème d'information, c'est effectivement sur Dansa Kouroma, qui aurait, en fait, donné ses discours. Je crois que ça se confirme effectivement. Donc, Dansa Kouroma, qui a, en fait, vient d'affirmer tout simplement que, en fait, s'il faut dire, en fait, qu'il ferait tout, n'est-ce pas, ou le Conseil national de transition ferait tout pour que, effectivement, le nombre des partis politiques, en fait, soit réduit à deux ou trois, cher compatriote guinéen. Alors, je viens donc de lire cette information. Je dois intervenir parce que cette affirmation. Dansa Kouroma n'est pas seulement de Dansa Kouroma, n'est-ce pas? Cette affirmation, disons, vient des ethnocentristes malinkés. Je vous le dis très calmement parce que mon titre est très clair. Dansa Kouroma et son fameux bipartisme, une tendance des ethnocentristes malinkés. N'est-ce pas? Signifie tout simplement que ce n'est pas de Dansa Kouroma, n'est-ce pas? Dansa Kouroma ne donne que, en fait, ce qu'on lui demande de faire, n'est-ce pas? Alors, je dis très clairement, c'est de ces ethnocentristes malinkés, disons, de ces partisans de Sékou Touré, vous comprenez? C'est très clair parce que c'est la crainte actuellement. Nous avons au pouvoir une junte militaire qui vient effectivement pour nous imposer cette forme de gouvernance que nous avons connue juste après l'indépendance pendant 26 ans, cher compatriote guinéen. Alors, je dis bien, donc le bipartisme, parce que là aussi, c'est entre guillemets, il parle de bipartisme, mais sûrement, c'est très clairement, c'est pour nous ramener en fait à un seul parti politique comme nous avons connu pendant 26 ans en fait du régime de Sékou Touré. Un seul parti, un parti État. En fait, c'est la tendance, c'est la visée, en fait, chers compatriotes guinéens. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Ou quelle est leur réflexion à propos? Ou disons, ils partent de quel principe pour, en fait, insister tant sur le bipartisme politique? Ils se disent très clairement que, bon, écoutez, la Guinée était tout à fait stable. Pendant 26 ans de Sékou Touré, la Guinée était stable. Il n'y avait pas de problème de violence ethnique. Il n'y avait pas de problème de conflit politique. C'est avec l'arrivée de la démocratie, des valeurs démocratiques, donc avec l'Ansana la Conté, que voilà, tout a commencé avec les violences politiques, les violences ethniques ou interethniques, inter communautaires. Voilà, donc il part de ce principe-là. C'est la démocratie, le multipartisme, voilà, ce sont ces valeurs-là qui ont créé des tensions, des violences en Guinée. N'est-ce pas? Très bien, cher compatriote guinéen. Alors, ce que moi je vais dire, parce que c'est quand même bizarre, il est vrai, cher compatriote guinéen, que dans un pays, n'est-ce pas, dans un pays où il y a l'homogénéité ethnique ou culturelle, c'est très facile de gérer pour un tel État. N'est-ce pas? Ça, c'est clair. Dans un pays où il n'y a qu'une seule ethnie, donc on parle de l'homogénéité ethnique ou culturelle, c'est vrai, c'est facile à gérer. Par rapport à un pays où on remarque l'hétérogénéité ethnique ou culturelle. C'est vrai. C'est encore plus compliqué de gérer dans un pays où il y a l'hétérogénéité ethnique. Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais je prends par exemple un pays où il y a l'homogénéité ethnique, je prends l'Allemagne. N'est-ce pas? C'est très facile de gérer l'État en fait allemand, surtout à travers, disons, les valeurs démocratiques. Et par contre, on dira, ce sera plus difficile pour le Nigeria, n'est-ce pas? Un pays où il y a l'hétérogénéité ethnique ou culturelle, ce sera difficile pour gérer un tel État, n'est-ce pas, cher compatriote guinéen? Pourtant, écoutez, on ne peut pas essayer d'appliquer ça à la lettre, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé, en fait, les penseurs, c'est vrai, les politiciens ou les politologues, c'est clair, en disant, bon, écoutez, la démocratie est quand même la meilleure forme de gouvernement pour pouvoir gérer un tel pays avec, disons, plusieurs ethnies ou plusieurs cultures. Mais voyez, faites la comparaison. Avec la démocratie, on dira la démocratie, il y a la liberté, mais pourtant c'est cela, c'est cette démocratie qui est capable
n'est-ce pas? À condition effectivement que la population soit en fait bien informée. C'est comme ça que je dis. Très bien. Alors, aussi, quand je dis bien ces ethnocentrismes malinqués, mais ceux-là, ce sont eux. Et dans sa Kuruma, qui n'est qu'un émissaire, n'est-ce pas? Dans sa Kuruma, écoutez, c'est un passage, c'est lui qui doit véhiculer ses idées. Vous l'avez remarqué, il dit que c'est une junte militaire qui est venue pour appliquer tout simplement la politique de Sékou Touré. C'est clair et net parce qu'ils se disent qu'avec Sékou Touré, il y avait la stabilité. Avec Sékou Touré, la Guinée bougeait bien. Avec Sékou Touré, ils se disent, selon eux, il y avait des fabriques, etc., etc. Donc il faut tout revenir à cette forme de gouvernance. C'est cela, cher Compte Guinéen. Mais ils se trompent, n'est-ce pas, cher Compte Guinéen? Oui. Parce que moi, je me dis, ce sont des gens, en fait, toujours, je dis ainsi, cette qualification, seulement la boue dans la tête. La boue dans la tête. Il est bien de s'entêter, n'est-ce pas? Je m'entête sur quelque chose, c'est bien. Mais écoutez, que la chose au moins soit positive. Je m'entête sur une idée donnée, n'est-ce pas? Être têtu sur une idée donnée, si l'idée est bonne, ok. Mais des gens là, des ethnocentristes malinqués, ils sont têtus, ils s'entêtent sur une idée qui est fausse. En plus, qui est fausse. Ils sont d'abord ethnocentristes. Il s'entête sur une idée qui est aussi fausse. L'idée, c'est quoi? Bon, écoutez, avec un seul parti politique, il y a la stabilité. Pensez-vous que c'est vrai? C'est pas vrai, cher Compte Guinéen. Parce que, nous prenons le temps de Sékou Touré. C'est vrai qu'au temps de Sékou Touré, il n'y avait pas de violence ethnique, ethnocentriste, etc., etc. Mais là, ça se comprend. Parce que le monde est effrayé. Vous êtes effrayé. La peur dans le ventre. N'est-ce pas? Et autant de secteurs où on dit qu'il y avait la stabilité, quelle stabilité? Si des gens partaient, tous les jours, les gens sont emprisonnés, des gens sont en fait pendus publiquement. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas libre. Et c'est ça, on peut appeler la stabilité? D'ailleurs, Lansana Conté l'a bien résumé, l'ancien feu Lansana Conté, l'ancien président en fait guinéen, il avait dit, quand il venait de prendre le pouvoir en 1984, en avril 84, alors les journalistes, je crois, de RFI lui posaient la question, mais monsieur le président, en s'adressant à Lansana Conté, mais comment se fait-il que, hein, comment se fait-il que, mais finalement, vous arriviez à un coup d'état militaire? On avait pensé que c'était vraiment de la discipline au temps de Sékou Touré. On pensait que toute l'armée était pour la révolution, que toute l'armée disciplinée autour de Sékou Touré, disons, acquis, toute l'armée acquise à sa cause, la cause de la révolution, d'un seul parti politique. Mais comment se fait-il qu'il y ait un coup d'état militaire, là, ça n'a compté, et que vous changez tout comme ça? Maintenant, vous êtes pour la démocratie. La question a été posée, que disait là, ça n'a compté? Écoutez, s'il vous plaît, au temps de Sékou Touré, dans son raconté, il donne une sorte d'image pour la compréhension. Au temps de Sékou Touré, on était en fait la discipline que vous voyez, l'éducation que vous voyez des militaires, cette discipline-là, attention, c'était de l'apparence. Parce qu'on était comme dans une pirogue sur un fleuve rempli de caïmans, de crocodiles affamés. Un petit mouvement dans la pirogue, ça balance, vous êtes dévoré. Et là, ça n'a compté de dire, écoutez, dans cette pirogue, cette discipline dans la pirogue, qui pensez-vous? C'est la discipline intrinsèque, la discipline venant de nous-mêmes ou une discipline imposée par la peur de se voir en fait avaler par les crocodiles. Là, ça n'a compté disait ainsi. C'est pour vous dire tout simplement, là, ça n'a compté à donner l'image, c'est pour vous dire tout simplement que. En ce moment, on ne peut pas appeler de la stabilité. Cette tranquillité, ce n'était pas de la stabilité. Loin s'en faut, cher Compte Guinéen. Loin s'en faut. Alors, ils disent, ces gens, ces ethnocentristes malinqués, je dis bien, je précise, on ne tourne pas autour du pot, de toute façon, de ma part, je ne tourne pas autour du pot, je dis les ethnocentristes malinqués, je ne dis pas les malinqués ethnocentristes. Il y a les malinqués qui sont ethnocentristes, ils sont nombreux, et très malheureusement, beaucoup sont dans l'armée, n'est-ce pas? Et c'est cela. C'est une idée aussi de Saran Daraba qui est une conseillère actuellement de Mamadi Doumbouya. Alors, ils disent que ces gens que le multipartisme, c'est source de problèmes. N'est-ce pas? Depuis que nous sommes dans la démocratie, il y a les conflits par-ci, par-là. Ce qui est faux, cher Compte Guinéen. Le Nigeria, je donne l'exemple du Nigeria, en Guinée, il y a une dizaine d'ethnies, n'est-ce pas, en Guinée? Une dizaine d'ethnies, disons comme ça.
Au Nigeria, c'est une centaine d'ethnies. Un pays multi-ethnique, multiculturel. Et Nigeria, aujourd'hui, la démocratie, ça fonctionne, ça marche bien. Au départ, ça a été difficile, c'est vrai. Aujourd'hui, ça marche. N'est-ce pas? En plus, c'est un pays, en fait, fédéral. Le fédéralisme, il y a des États. Et quand il y a des élections, n'est-ce pas, tout se passe clairement. Aujourd'hui, au Nigeria, il y a ce qu'on appelle l'alternance démocratique. Je dis bien, au départ, ça n'a pas été facile. Parce que, écoutez, chaque chose, il faut l'apprendre. N'est-ce pas? Les valeurs démocratiques, il faut en fait les enseigner. Il faut apprendre. Aujourd'hui, Nigeria a donc dépassé ce cap-là. Il y a d'autres problèmes sûrement religieux, d'accord, mais dire que des problèmes en fait liés intrinsèquement au processus électoral, non, c'est fini au Nigeria. N'est-ce pas? En Guinée, une dizaine seulement d'ethnies. Et les ethnocentristes malinqués disent, bon écoutez, c'est ça qui fait que ça ne va pas, il y a des violences. C'est faux. C'est faux, cher Comte Guinéen. Je vous le dis très clairement, c'est faux. Le problème, c'est eux. Tous le conflit politique qui vient de ces ethnocentristes malinqués. Je vous le dis très clairement, je suis malinqué, je le dis très clairement, je fais l'analyse. Si, écoutez, j'ai pas raison, je dis j'ai pas raison. J'ai pas besoin de jeter des fleurs sur ma personne. Non, si j'ai pas raison, j'ai pas raison. Ce sont des ethnocentristes malins qui sont à la base de tout en Guinée. Quand Lansana Conté est arrivé au pouvoir, parce qu'avec Sékou Touré déjà, ils étaient eux, les ethnocentristes malinqués, ils se disent, bon écoutez, nous sommes au pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais aucun autre citoyen d'une autre ethnie viendra au pouvoir. Ils étaient satisfaits. Et quand Sékou Touré est parti, il y a eu Lansana Conté, le coup d'état de Lansana Conté est arrivé au pouvoir. Ce sont les mêmes ethnocentristes malinqués qui se disent « Bon, ce n'est pas possible. Un sous-sous au pouvoir, nous ne pouvons pas. Ici en Guinée, nous devons nous gouverner, nous les malinqués. » Je vous dis, c'est la vérité. On dirait à Nabil et Camara, « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?» Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je n'invente rien. J'ai bien vécu le temps de Lansana Conté et même une partie du temps de Sékou Touré. Le temps de Lansana Conté, c'était des discours. Ce sont des sous-sous au pouvoir. Ils ne peuvent pas gouverner la Guinée. Nous sommes les meilleurs, nous devons, les malinqués disent, les essences de malinqués, nous sommes les meilleurs, c'est nous qui devons gouverner la Guinée. La preuve, vous avez compris, en 1985, il y a eu le coup, la tentative de coup d'état de Diarra Traoré, c'était pour renverser cette tendance, épouser leur propre tendance, c'est nous qui gouvernons, nous revenons. Mais c'était clair. Heureusement que le coup de Diarra, avait échoué, sinon, bah, écoutez, peut-être on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que c'était tout de suite revenir donc, au système politique qui était imposé par Sékou Touré. Vous comprenez? Alors, Dadis, vous avez remarqué avec le coup d'état de Dadis Camara, ça veut dire, mais qui étaient en fait ces gens aussi qui s'opposaient réellement? Je ne dis pas les politiciens, d'accord, les partis politiques s'opposaient à Dadis, en ce qui concerne le respect, de l'idée, de l'idéal de la transition, n'est-ce pas, le retour à l'ordre constitué, ça c'est normal. Mais au fond, les ethnocentristes malinqués disent, bon, écoutez, pour quelle raison? C'est nous qui devons arriver au pouvoir. Ils étaient là, prêts. Encore. Tout à fait prêt. Ce sont eux. Et quand Sékou Ba est arrivé, là, vous l'avez remarqué, Sékou Ba est arrivé pour la petite transition, et là, ils étaient là, tous. On a vu des délégations venir de Cancan de la Haute-Guinée pour dire à Sékou Ba, attention, attention, le pouvoir doit rester dans notre camp. Sékou Ba a obéi, n'est-ce pas? Il a obéi, il a tranché. Sans aucune gêne, on a vu Sékou Ba donner le pouvoir à Alpha Condé, un malinqué. Mais c'est la logique de raisonnement de leur part, il faut respecter cela. C'est clair. Ils sont toujours là. Ce sont eux, les ethnocentristes malinqués. Ils sont venus voir Sékou Ba. Voilà, c'est cela. Jamais, jamais. Et pourquoi on a eu cette action politique historique? Entre deux tours, plus de 3-4 mois, entre deux tours, s'il vous plaît, entre le premier et le deuxième tour, c'était tout simplement tenter, en fait, de trouver des subterfuges, tout un ensemble de moyens pour pouvoir recaler Sidibé Diallo, n'est-ce pas, Sidia Touré, et imposer Alpha Condé, qui venait réellement en troisième position.
n'est-ce pas? Alpha Condé est arrivé. Il y a eu beaucoup de violence. Beaucoup de violence, n'est-ce pas? On dira ethnique, ethnocentriste. Mais qui sont à la base? Mais ce sont des ethnocentristes malinqués. Ce sont eux. Alpha Condé était très clair dans ses discours. Ils disent que ce sont eux qui doivent gouverner. Il faut les malinquer au pouvoir. Ni les Peuls, ni les Soussous, ni autres ethnies. On a vu déjà les critiques sur Dadis Camara en disant qu'il était un forestier. Un forestier ne peut pas en fait venir au pouvoir. Mais qui disait, qui critiquait? C'était pas des Peuls, c'était pas des Soussous, c'était pas autre ethnie, mais c'était pas des Guerzés. Mais c'était qui? C'était des ethnocentristes malinqués, chers compatriotes guinéens. Avec Alpha Condé, vous l'avez remarqué, il y avait des violences finalement, des violences. On a vu des militaires de Alpha Condé, les policiers tant de Alpha Condé qui sans pitié, tirait sur des manifestants désarmés. Avec des inventions de la part du pouvoir que non, eux, en fait, les militaires, ne vénèrent sans être armés ou sans avoir des missions. Si on n'est pas ethnocentriste, on n'a pas la haine contre une autre ethnie. Un pouvoir peut-il agir ainsi, chers compatriotes guinéens, face à ses propres citoyens, les tuant par balles, chers compatriotes guinéens? Si on n'est pas ethnocentriste. Alpha Condé a été très clair dans les campagnes. Il dit, bon, écoutez, attention, attention. Quand il avait à un moment donné que Sédan Diallo alors raflait presque tout, c'était imminent l'arrivée de Sédan Diallo au pouvoir, Alpha Condé ne se cachait plus dans ses discours. Attention, attention. Si vous votez pour tel, alors vous votez pour les étrangers. N'est-ce pas? Ça, tout le monde le sait, cher compte guinéen. Alors, dire aujourd'hui que c'est le multipartisme qui est à la base, ou même la démocratie qui est à la base des violences ethniques en Guinée, mais c'est faux. Ce sont des ethnocentristes malinqués qui sont à la base, pour ne pas dire les malinqués à la base des conflits politiques ethnocentristes en Guinée. C'est clair, et net, cher compte guinéen. Des ethnocentristes malinqués. Mais c'est clair, quand vous vous dites que ici c'est moi qui dois gouverner, que vous ayez raison ou non, c'est moi qui dois gouverner. Mais ça, c'est une source de conflit politique. Source de conflit ethnique. C'est moi, ici. Mais c'est cela, ça s'est passé avec les élections de 2010. Sédan Diallo devait gagner. Ils se sont dit, jamais, c'est nous, ici. Ils n'ont pas eu honte de récaler cet homme qui avait, franchement, clairement gagné les élections. Vous comprenez? C'est source de conflit politique. Alors, que ces gens-là arrêtent dans sa Koroma, Sarandaraba et tant autres, et tant d'autres citoyens ethnocentristes malinqués, que bon, écoutez, les violences en Guinée, c'est parce qu'il y a le multipartisme. C'est faux. Le multipartisme, au contraire, le multipartisme est une forme, est une tendance de la démocratie capable de gérer un pays multipartite, un pays où il y a l'hétérogénéité ethnique ou multiculturelle. C'est cela. Seule la démocratie peut le faire. Prenez les États-Unis, un pays multiculturel. Vous comprenez? Donc, c'est un subterfuge, c'est de ces ethnocentristes. Ils veulent le bipartisme. Dans sa cour, on a dit qu'ils feront tout pour que, en fait, le nombre des partis politiques, en fait, soit réduit à 2 ou 3. N'est-ce pas? Et c'est très clair. Il est question d'éliminer. Parce que eux, maintenant, pendant la transition, une transition qu'on ne connaît même pas quand ça va finir, ils vont essayer de se battre. Vous comprenez? L'argent, ils utilisent l'argent de tout le monde pour corrompre ou former un parti politique, comme Alpha Condé l'a fait. Prendre l'argent de la banque de tout le monde. Voilà. Dépenser ça pour pouvoir se conforter dans un parti politique, un grand parti politique qui pourra dévorer tous les autres. N'est-ce pas? C'est ça la tendance. Et finalement, on parlera d'un seul parti politique. N'est-ce pas? La tentative actuelle, écarter cette dernière Diallo Sidy Touré, vous comprenez, c'est pour pouvoir également se placer très clairement. Parce qu'ils savent, que parler de cette dernière Diallo, l'UFDG est là, l'UFR est là, parler d'un seul parti politique, leur parti politique qu'ils vont créer, eux, ces ethnocentristes malinqués, donc sera sûrement éliminé. Parce que qui pourra écarter Sédan Diallo, l'UFDG, qui pourra écarter l'UFR, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que quand on dira bipartisme, on aura seulement l'UFDG et l'UFR. Mais actuellement, ils sont en train d'éliminer l'UFDG et l'UFR, chers compatriotes guinéens, pour créer un autre parti finalement, pour pouvoir s'imposer et nous ramener à cette autre forme de gouvernance, le parti-État de Sékou Touré. C'est clair, chers compatriotes guinéens. Alors, s'il y a violence en Guinée, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas cette forme
de gouvernance ou cette tendance de la démocratie, le multipartisme qui est à la base. Non, ce sont des malinqués, les ethnocentristes malinqués. Sarah Ndalaba est conseillère de Mali Doumbouya et Sarah Ndalaba, elle est à 100% pour cette tendance, n'est-ce pas? Un seul parti politique. Sarah Ndalaba dit très clairement, s'il y a violence en Guinée, c'est parce que il y a la démocratie. Il faut refuser les élections. Les élections, ça ne sert absolument à rien. Les élections, c'est source de problèmes. N'est-ce pas, cher Comte Guinéen? Ce qui est faux, et ce que moi je vais dire, cher Comte Guinéen, le multipartisme, non, n'est pas la source, n'est-ce pas? Je dis bien, je le répète, ce sont ces ethnocentristes malinqués. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut pour la réussite également de notre démocratie avec ce multipartisme que nous connaissons depuis 1984, parce que le Nigeria a réussi. Là où le Nigeria a réussi, pourquoi pas la Guinée? Nigeria avec une centaine d'ethnies, n'est-ce pas? La Guinée, une dizaine. Alors, c'est très clair. Il faut incorporer, n'est-ce pas, les programmes. Dans ces programmes de démocratie, de multipartisme, des valeurs démocratiques, dans, en fait, les matières d'instruction civique dans les écoles. De la première année à l'université, qu'on donne ces cours-là. C'est là, ça se forme, ça s'apprend, on s'informe. Chers compatriotes guinéens, on s'informe. Nigeria, je dis Nigeria, il y en a des centaines, mais il n'y a plus de problèmes liés au multipartisme. Au contraire, la démocratie a aidé le Nigeria, effectivement, à gérer cette multiculturalité, s'il vous plaît. Chers compatriotes guinéens, voilà, donc j'espère que je me fais comprendre. Nabilaye Camara, depuis Bruxelles, lèvons-nous, je le disais quand Alpha Condé venait de voler les dernières élections, vous vous rappelez que la lutte commençait. La lutte commençait. Aujourd'hui, la lutte continue. On ne dit pas que ça commence, mais ça continue. Il faut éliminer, en fait, tout simplement ces barbares au pouvoir qui n'ont que de la boue dans la tête, des ethnocentristes. Donc, c'est eux, ce sont eux, en fait, qui sont à la base de tous les problèmes en Guinée, chers Comte Guinéen. Parce que regardez, en fait, s'ils n'ont pas la boue dans la tête, s'il vous plaît, après tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a connu avec Alpha Condé, jusqu'à maintenant, ces gens-là viennent encore, on retrouve les mêmes formes de jugement. L'homme providentiel, on parle de Mandy Doumbouya, n'est-ce pas? L'homme providentiel, c'est ça, ça se répète, on le dit maintenant. L'homme qui, en fait, finalement arrive à unir les Guinéens. Oh, la stabilité avec Mamadi Doumbouya. Vous comprenez ce qu'on appelle le culte de personnalité autour de Mamadi Doumbouya. Et ça, ça commence bien, cher Comte Guinéen. Cela ne peut pas nous faire réfléchir, cher Comte Guinéen. On a fait la même chose avec Sékou Touré, nul, zéro. Avec Lansana Conté, zéro. Avec Alpha Condé, zéro. On va continuer avec la même chose. Le culte de personnalité qui va aboutir à quoi? À zéro, cher Comte Guinéen. N'est-ce pas? Le combat continue, vous connaissez ma position, je suis pour la méthode forte physique parce que, écoutez, le Guinéen ne connaît pas le dialogue, le pouvoir guinéen, non, le dialogue, non. Nous nous battons pour arriver à ce point où quand on dit dialogue, c'est dialogue réellement. Quand on dit noir, c'est noir. Quand on dit blanc, c'est blanc. Rouge, c'est rouge. On ne dit pas blanc et puis c'est noir, non. Quand on dit dialogue, c'est dialogue. On se bat, moi de toute façon, je me bats pour ça avec la Guinée rationnelle, n'est-ce pas? Et c'est très clair. Et là, j'opte, comme le Guinéen ne connaît pas le dialogue, bon, d'abord, on n'y est pas encore. Alors, moi, je me dis, il faut la violence. Un coup d'état militaire, par exemple, pourquoi pas à la Bayeré Maïnassara, cher Comte Guinéen. C'est Nabil Camara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.